L'Égypte a connu une progression remarquable de ses investissements directs étrangers au cours de l'exercice 2022-2023. Les entrées nettes d'investissements directs étrangers dans le pays ont augmenté pour s'établir à 10 milliards de dollars durant la dite période, soit une hausse de 12,3% par rapport à l'exercice 2021-2022. Cette performance représente le taux de croissance le plus élevé des investissements directs étrangers dans le pays d'Afrique du Nord en 15 ans, d'après l'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches, GAFI. Il n'y a rien de surprenant à la hausse des investissements étrangers en Égypte. Il faut rappeler quand même qu'en Afrique, c'est la deuxième économie qui rassemble le plus d'investissements étrangers, notamment dans l'immobilier et le tourisme. C'est une destination plutôt privilégiée qui rassemble près de 25% des investissements étrangers liés à ce secteur-là. Les données de GAFI montrent qu'au cours des 9 dernières années, à l'exception de la période du Covid-19, les entrées nettes d'investissements directs étrangers dans les secteurs non pétroliers ont atteint 11 milliards de dollars. Les bénéfices non répartis à des fonds de réinvestissement constituaient la principale composante de ces investissements, soit 44%. De plus, les créations et expansions de nouvelles entreprises ont contribué à ce flux d'investissement à hauteur de 37%. C'est une réelle bouée de sauvetage pour l'Égypte, parce que c'est une économie qui reste fragile, notamment depuis la guerre en Ukraine. On sait que l'économie égyptienne vacille, notamment à travers une crise de liquidité qui est provoquée par le déséquilibre structurel de son économie. Et puis, il y a un facteur qui est venu aggraver cette situation, c'est la guerre à Gaza. L'Autorité générale pour l'investissement et les zones franches indique qu'au cours de l'exercice 2022-2023, 26 licences dorées ont été accordées pour des projets couvrant des activités de production dans les secteurs industriels, alimentaires, agricoles, humanitaires, technologiques et touristiques. L'Égypte reste le deuxième bénéficiaire d'investissements directs étrangers en Afrique, après l'Afrique du Sud, selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Pour l'exercice 2023-2024, le pays vise 12 milliards de dollars d'entrées d'investissements directs étrangers.